quand tu as revendu, ils ont battu mon souci, ça va projeter mon co. Il y a malheur, il y a la vie. Alléluia. Pendant que la Bible est là, et des amis, mon roi, télé, mia lobby, na yebi ba projet, on a formé, il y a vie. Na gasa ko loba mene. Na gasa ko loba soa mene wa kasi. Alobi meza proje ya malerte. Si kon so ki proje ya nzambe za malerte. Po nani li bote na nzambe ba o soufri. Se paske eza na batu moko panda ke yo sa kolana. Bango bazo sa baza ko ko reprogramme. Est-ce que so kompran? Bazo bongo la ba programme o yo nzamba tia li kona vina yo. Se paske yo moko o yi bati to posa na ti boyebi. Alors, quand ça va bien, ils ont c'est parce que Nathan Oyoyo va compter les mains. Au potola, Oyo diable va qui l'a connu ba. Oyo va na qu'on déclare maloba les colons la vie na yo. Yo tawana osola. Alléluia. Et voilà pourquoi. Zamba va qui l'a qu'on utilise Mohungulai. Le révérend pasteur nous laisse. Alors, mita la cette fois-ci. Que nena li botananga yebi sabango et te singeli ba crignon sur ba idole et buka na liko na vina bango na kasa o lo ba mensu ba kasi koleka o sawa bien le metan muso kangama na ba fibron et lian zoto na yo o kangama maladi emele et lian zoto na yo finance na yo et ke la kamala kute bana na yo santa malonga et zate. Alors, Bible est sur le na chaque époque, Zambate le misaka mutubo. Poilo ba pona tina na Zambé. Poilo ba ma bomba mi yan Zambé. Voilà pourquoi sans plus tarder, l'importa na Zambé. La lingi na biso to tele malikolo. Pona ko yamba. Mohungu na Zambé. La benga kaye papa. Cette fois-ci na comprena. Azaka ka papa te. Aza maître nanga. Voilà pourquoi. Dos sunganga. Dos sunganga. Pona ko yamba. L'homme est de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Il y a une forte puissance de Dieu en ce moment. Je te dis qu'il y a la gloire de Dieu dans cette salle. Et la puissance de Dieu va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Et changer l'histoire de ta vie. And change the story of your life. Qui a dit amen? You may say amen. Mets-toi debout, tiens ta Bible là où tu es. Stand up and hold on to your Bible where you are. Nous allons lire la parole de Dieu avant de continuer. We're going to read the word of God before continue. Quelle puissance, Jésus. What a power, Jesus. Nous sommes dans le livre de Luc. We are in the book of Luke. Le chapitre 5, le verset 17. Chapter 5, verse 17. Ma Bible en moi déclare. My Bible. Un jour. One day. Jésus enseignait. Jesus teaching. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. My God. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, oh my God,
tes péchés te sont pardonnés. 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, lequel est le plus aisé de dire de péché, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence et prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. The Lord bless his word. Veuillez nous asseoir s'il vous plaît. You may be seated, please. Ce soir au nom du Seigneur Jésus. Father, this evening in the name of Jesus Christ. Tu es le Dieu d'Aïtunabala. You are the God of Aïtunabala. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Ce soir, tu es mon Dieu. This evening, you are my God. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Je déclare l'atmosphère de miracle dans cette salle. I declare the atmosphere of miracle in this room. Et je donne à tous les anges de se repositionner dans la salle maintenant. And I command to all angels to position themselves. Accompagne ta parole par des signes de miracle et de prodiges. And follow your word by the miracles. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of our Lord Jesus. Confirme cette parole ce soir. Confirm this word. Libérez les malades, les captifs. Release the sickness. Guéris les malades. Transforme la vie de ton peuple. Transform the life of your people. Et bénis quand tu as besoin de ta main. And those who need your help. Au nom du Seigneur Jésus Christ. In the name of Lord Jesus. Et tous nous disons merci, Seigneur. And all who say thank you. Lord. Nous avons lu la parole. We have read the word. La Bible dit un jour. The Bible says one day. Jésus-Christ était dans une maison en train de prêcher la parole. Jesus Christ was preaching the word of God. Et pendant qu'il enseignait la parole, as he was teaching the word, la Bible dit que la salle était remplie de docteurs de la loi. The Bible said that who was filled with the doctors of law. Il y avait plusieurs mondes après Jésus. There were so many people after Jesus. Et cette journée particulière, in this particular day, la Bible dit qu'il y avait aussi des malades qui étaient là dans la salle. The Bible said there were sicknesses there in the hall. Et la Bible déclare que pendant que le Seigneur Jésus enseignait la parole, the Bible said while Jesus Christ was teaching the word, les miracles prenaient place. The miracle was happening. Les signes prenaient place. The sign was taking place. Les malades étaient guéris. The sicknesses were healed. Je t'ai dit, peuple de Dieu, ce soir, I said to you people of God, que pendant que je suis en train de libérer la parole, as Jesus is releasing the word, il y aura des miracles dans la salle. There will be miracles in the hall. Il y aura des signes dans la salle. There will be signs in the hall. Le Saint-Esprit va visiter son peuple. The Holy Spirit will visit his people. Tu as activé ta foi. You will activate your faith. Et si tu as la foi, if you have faith, Dieu te visitera ce soir. God will visit you this evening. Je disais à quelqu'un que Dieu te visitera ce soir. Parce que la parole de Dieu est accompagnée de signes et de miracles. Because the word of God is accompanied by the signs. C'est la preuve. That is proven. Que Dieu était avec Jésus. That Jesus was with Jesus. Dieu était avec Jésus. God was with Jesus. Et puisque Dieu était avec lui. Because God was with him. Il fallait qu'il y ait des miracles. Miracles. Des signes. And signs. Et des prodiges. And prodiges. Et ce soir. And this evening. Le même et la même onction. The same anointing. Est en train de fonctionner dans cette salle. Is working in this hall. La même puissance. The same power. Est dans cette salle. Is in this place. La même et même pouvoir. The same power. Est en train d'agir dans cette salle. Is in this place. Si tu crois, tu dis amen et là où tu es. If you believe, you say amen where you are. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to Lord Jesus. Mais pendant que le Seigneur était en train d'enseigner, what Jesus was teaching, la Bible déclare. The Bible says there was a paralyzed person somewhere.
somewhere. Et ce paralytique avait besoin de la touche de Dieu. And this paralyzed person needed the touch of God. Il voulait que Dieu puisse lui guérir. He wanted God to heal him. Il voulait que le Seigneur puisse lui donner la guérison. He wanted the Lord to give healing. Mais lorsqu'il a été transporté par ses amis, but once he was carried by his friends, pour entrer dans la salle, to get into the hall, là où Jésus était, where Jesus was, la Bible déclare qu'il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait plus d'espace pour lui. The Bible said there were no spaces for him. Il ne pouvait pas entrer. He could not get in. Parce qu'il était, la salle était remplie de gens. Because the hall was crowded with people. Dis-moi Jésus, dis-moi caca. Nyonso ekobonga soki ondimi ndima Yesu ndima Yesu. Hallelujah. Oh ndima Yesu ndima Yesu. Oh, dis-moi Yesu, dis-moi Yesu, oh, nyonso ekobonga soki ondi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très triste. Beloved in the Lord, it's sad. Quand on voit quelqu'un, when you see someone, qui devait être en fait spirituellement et physiquement, in spiritually and physically, en train de célébrer Jésus, in some celebrating, tu vois les choses que Dieu est en train de faire dans sa vie. Glory of God in his life. Il était impossible pour lui. It was impossible for him. Parce que les gens
ne voulait pas lui voir personne à la vie. The one you don't want to see him go forward. Parce que avec la paralysie. Because he is paralyzed. Avec sa condition. His condition. Il ne pouvait pas. He could not monter. Go high. Il ne pouvait pas. He could not accélérer. Accélérer. Il ne pouvait pas. He could not vivre des grandes choses. See great things. La condition que tu vis dans ta vie. The condition you live in your life. T'empêchera. Is blocking you. De vivre la gloire de Dieu. To live the glory. La condition que tu vis dans ta vie. The condition you live in your life. T'empêchera. Is blocking you. De vivre l'accélération. To live the acceleration. La condition que tu vis dans ta famille. The condition you live in your life. T'empêchera. De voir la gloire et la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. To see the glory and manifestation of God. Mais je suis venu ce soir. But I'm coming this evening. Avec la bonne et l'ouvert. With good news. Pour dire à quelqu'un. To see to say to somebody. Que tu peux accélérer. But you can accélérer. Jésus Christ ne peut te guérir. Jesus Christ can heal you. Jésus Christ ne peut changer ta situation. Jésus Christ ne peut te donner le mariage que tu as trop cherché. Il peut guérir ta vie. He can help you. Afin que tu puisses accélérer. So that you can accelerate. Dans la gloire avec Dieu. In the glory with God. Ta condition. Your condition. Ce soir. This evening. Ne t'empêchera plus. Will not stop de voir la gloire de Dieu. See the glory of God. Ta condition, je dis. Condition I say. Ce soir. This evening. Ne t'empêchera plus. Will never stop de voir la manifestation. To see the manifestation. De la gloire de Dieu dans ta vie. Of the glory of life. Si quelqu'un dit amen ici. If someone say amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce soir? Someone say amen this evening. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir? Amen. Say amen this evening. Écoutez bien le nom de le Seigneur. Beloved in the Lord. Cet homme. This man. Était paralytique. Was paralyzed. Il ne pouvait pas. He could not. Entrer dans la salle. Get into the world. Il ne pouvait pas. He could not. Quitter sa maison. Leave his house. Pour venir vers Jésus. Come to Jesus. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Il avait besoin. He needed. De l'aide. The hope. D'une personne. The hope of someone. Pour accélérer dans la vie. To accelerate in the world. Tu as besoin des gens. You need people. Pour t'apporter. To lift you. T'apporter. To carry you. Et t'amener. And take you. Dans les lieux là où. In a place where. Tu rencontreras ton Jésus. You meet your Jesus. Afin qu'il puisse changer ta vie. So you will change your life. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Dans la vie. In life. On a jamais, on a toujours eu. We have always have. Besoin d'une personne. They have need. Pour t'introduire dans la vie. They have someone to. On a toujours eu besoin. We need. D'une personne. Us, we need somebody. Pour t'introduire dans ta destinée. To teach you. On a toujours eu besoin. You always need. D'une personne. The help. Qui pourra t'aider. A person who can help. Les chemins. To show you the way. De l'accélération du vide. Acceleration. Je veux que tu puisses crier. I want you to shout. Accélération, accélération. Acceleration, acceleration. Tu as besoin de quelqu'un. You need somebody. Cet homme avait besoin de quelqu'un. This man needed. Pour lui soutenir dans la vie. To help him in life. Pour lui aider dans la vie. To help him in life. Afin qu'il puisse voir Jésus. So that he can see agir Jesus. Dans sa vie. Je me rappelle encore. Dans le livre de Jean chapitre 5. The book of John, chapter la Bible 5. Dit que. The Bible says. Jésus est entré dans Bethesda, dans la piscine de Bethesda. Jesus got into the pool of Bethesda. Il a trouvé un homme qui était malade pendant 38 ans. He met a man who was sick for 38 years. Il demanda à l'homme. He asked the man. Veux-tu être guéri? Do you want to be healed? My God. Oh my God. Vous savez la souffrance. You know suffering. Et pousse les gens. Push de répondre, de donner les réponses qui ne sont pas appropriées. To not according to response. On a demandé à l'homme. Veux-tu être guéri? Do you want to be healed? La personne répondra à Jésus. The person responds. Vous avez ce soir. You know this. Jésus n'a pas besoin de d'autres raisons. Jesus does not need. Jésus n'a pas besoin de tes raisons. Does not. Mais Jésus a besoin de ta foi ce soir. Need your faith. Pour que tu puisses accélérer. So that you can accelerate. Dans ta vie. In your life. L'homme a répondu à Jésus. The man responded to Jésus ici pendant longtemps. I lost it long. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. I don't have no one to put. Oh. Je suis la personne de la personne. Je suis la personne de la personne. Je suis la personne de la personne.
Je sens le feu du Saint-Esprit. I feel the power of the Holy Ghost. Je sens la gloire de Dieu. I feel the glory of God. Même Jésus dans son ministère. Even Jesus in his ministry. Il avait besoin de Jean-Baptiste. He needed John the Baptist. Pour lui introduire dans le ministère. So that he could be introduced. Lui qui était le Fils de Dieu. Him that was the Son of God. Il pouvait tout simplement accélérer dans la vie. He could have accelerated. Mais il avait besoin de quelqu'un. But he needed somebody. Tu as besoin d'une personne. Beloved, you need someone. Pour t'aider dans ton accélération. To help you in your acceleration. Tu as besoin d'une personne. You need somebody. Pour ce travail. Que tu cherches. For the work tu as besoin d'une personne. Pour le mariage que tu cherches. For the marriage that you're seeking for. Amen. Alléluia. 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 Alors personne ne pouvait. You could not see anyone. Il ne pouvait pas cet homme. You could not. Entrer seul. Get into himself. Dans la présence de Jésus. In the presence of Jesus. Il avait besoin de quelqu'un. He needed somebody. Pour lui aider. To help him. Afin qu'il puisse voir quelqu'un Jésus dans sa vie. So that he can see Jesus. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Listen, my beloved. Tu veux accélérer dans ta vie. You want to accelerate. À part les concours des hommes. Apart from the rest of others. À part l'aide que les hommes peuvent te donner. Apart from the help, the help someone can give. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Tu dois éviter. You have to take away. De prendre le chemin de tout le monde. You have to avoid the way of everybody. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'ils sont devenus, the Bible says when they got there, ils ont trouvé la porte était fermée. They saw the door was closed. Il y avait un grand monde dans la salle. There was a crowd inside. La salle était remplie dans sa capacité. The hall was crowded. Il y avait plus d'espace. There was no space. Afin que cet homme puisse entrer dans la chambre. So that the man can get into dans the la maison là où était Jésus. Where Jesus was. Mais puisque ces hommes qui l'a transporté, because the people who were helping him, avaient l'espérance, had the experience, avaient l'espoir, had the hope. Had their ideas. Ils se sont tués à eux-mêmes. They said to themselves. Quand bien même la porte est fermée. When was the door, even though the door quand was locked. Quand bien même il n'y a plus d'espace pour vous. Even though there was no space. Quand bien même le chemin n'est plus là. Even though there was no way. Nous allons créer notre propre chemin. We are going to create our own way. La Bible dit ils ont pris le chemin du toiture. The Bible said they took and they go around. Ils ont commencé à lever le toiture. They started taking off the building. Parce que leur objectif. Was to accelerate. Parce qu'il y avait beaucoup de malades. Because there were so many ils sickness. Voulaient que leur malade soit guéri avant que tous les malades soient guéris. They wanted their person to be healed before everybody. Ils ont ouvert la toiture. They opened the ceiling. En ouvrant la toiture. By opening the ceiling. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Pour le propriétaire de la maison. The owner of the house. Il pouvait se fâcher. Could be angry. Parce que ces hommes. Because these people ont commencé à enlever la toiture. They started by taking off the ceiling. Vous voyez bien aimé dans les seigneurs. You see, beloved, tout le monde est entré par la porte. Everybody comes by the pour recevoir leur miracle. To receive their healing. Mais ces hommes ont trouvé un autre chemin. But this man searched for another way. Par lequel ils pouvaient recevoir leur miracle fast track. By which they could get their miracle in the first. Laisse-moi te dire bien aimé dans les seigneurs. Let me tell you, beloved. N'allez pas dans le chemin de tous les hommes. Do not go the same way as others. Ne prenez pas le chemin que tous les hommes prennent. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, if you want to see the glory of God, si tu veux aller rapidement, if you want to go quickly, si tu veux saisir le miracle dans ta vie, if you want to seize the miracle, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, if you want to lead the hand of God, si tu veux accélérer, if you want to accelerate, de passer tout le monde, to pass everybody, premièrement, first of all, tu dois éviter, you need to avoid la voie conventionnelle, the communal way, tu dois éviter. To avoid la voie traditionnelle, traditional way, tu dois éviter. You have to avoid la voie coutumière, the coach avoid le chemin way de tout le monde. The way of tu dois prendre un autre chemin. You have to take another le way. Le chemin qui t'amènera dans la gloire de Dieu. The way that will take you to the et glory of God. Écoutez bien dans le Seigneur. Listen, beloved in the Lord. David voulait combattre Goliath. David wanted to battle with Goliath. La Bible dit que Saul lui donna ses armes. The Bible says Saul gave the army. David refuses it. Il essaya. He tried. Il apporta ses armes. He carried it. Mais parce que c'était le chemin de tous les hommes. Because it was the way of everybody. Il a dit non, je ne crois pas que je vais battre Goliath avec ses armes. No, I don't think I'll be battle with Goliath. Non, pas avec ses armes. No, with this army. Il a trouvé son propre chemin. He took his own way. Il a enlevé les habits de Saul. He took off all the clothes of Saul. Et il a pris le chemin de l'excellence. He took the way of excellence. Le chemin de Dieu. The way of le God. Le chemin de la foi. The way of God. Le chemin de la victoire. Le chemin de l'espérance. Le chemin de la détermination. The way of determination.
Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Jésus te touchera. Il changera ta vie. Il changera les données de ta vie. The things of your life. Fuyez les chemins conventionnels. If there is a common way, fuyez les chemins des hommes. Avoid the way of men. Accélérez dans la dimension de Dieu. Accelerate in the dimension. Allez dans le chemin de Dieu. Find the way of God. Évitez. Avoid les chemins des hommes. The way of men. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Quiconque prend les chemins traditionnels. You can take a traditional way. Quiconque prend les chemins de tout le monde. You ever take a traditional way. Il ne sera jamais applaudi dans sa vie. They will not be clapped in heaven. Même dans le ministère. They will not be honored. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. I don't want to do things like everyone. Je fais les choses de ma manière. I do things in my way. Parce que quand tu fais les choses de ta manière, tu sors l'ordre de l'ordinaire. Because if you do things in your way, et tout le monde t'acclamera. Everybody will clap. Parce que quiconque va dans les chemins des hommes, ne sera jamais acclamé. Whoever goes the way of men, they will not clap. Remarquez cette femme. Look at this woman. Qui avait la perte de sang. He was losing his blood. Pendant 12 ans. For 12 years. La Bible dit que cette femme. The Bible said this woman. A tout dépensé dans sa vie. He has lost everything in his life. Elle a dépensé son argent. She spent her money. Elle a essayé toutes sortes de docteurs. She tried all doctors. Tous les moyens possibles dans la vie. Every possible way. Mais elle ne pouvait trouver son salut. But she could not receive her healing. Mais ce jour-là. But that day. Elle a entendu parler de Jésus. She heard the voice of Jesus. La Bible déclare qu'elle a eu une décision en elle. The Bible says she took a decision of herself. Elle se disait ceci. She said this. Si je peux seulement. If I can only toucher. Le bord de sa robe. The corner of his robe. Je serai guéri. I'll be blessed. Vous voyez? You see? Qu'est-ce qu'elle a fait? What? La Bible dit elle commença à ramper. The Bible says she started going. Et petit à petit, elle arrivait là où Christ était. She got to the point where Jesus. Et elle a touché. And she touched. Laisse-moi t'ouvrir les yeux. Let me open your eyes. Tout le monde voulait les positions de main de la part de Jésus. Everybody wanted hands. From Jesus. Tout le monde voulait l'attention de Jésus. Everybody wanted the attention of Jesus. Mais cette femme n'avait pas besoin de l'attention de Jésus. This woman did not need attention from Jesus. Cette femme ne voulait pas l'imposition des mains de la part de this Jésus. This woman did not want to the hand. Elle a décidé en elle-même. But she decided by herself. Ce soir, this evening, moi, femme, me, je t'imposerai les mains. I will touch you on your hands for my healing. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir? Is there somebody listening? Tu n'as pas besoin que je te pose les mains. You don't need me to touch. Tu peux imposer les mains sur Jésus. But you can touch Jesus. Et recevoir ta guérison. And receive your healing. Recevoir ta délivrance. And receive your deliverance. Recevoir ton miracle. Receive your miracle. Recevoir ton accélération. Receive your acceleration. Quelle message de femme c'est dire? This woman said to herself. Moi, je toucherai les bords de son vêtement. I will touch the corner of a dress. Avant de recevoir le miracle. So that I can receive healing. Et à l'instant. Suddenly. Lorsqu'elle a touché Jésus. What's it touched? La Bible dit que Jésus s'est détourné. The Bible said Jesus. Elle s'est demandé qui m'a touché. He asked who has touched. Est-ce que ce soir? Is it? Y a-t-il quelqu'un qui peut toucher Jésus? Is it someone who can still touch Jesus? Y a-t-il quelqu'un qui peut toucher la main de Dieu? Can someone touch the hand of God? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire que non, moi j'ai besoin d'être tourné, pas d'être touché, mais moi je toucherai Jésus afin que je reçoive. Is there someone who can say I don't need to be touched, but I will be touching Jesus so that I can receive grace from Him? Mon Dieu, mon roi, Jésus. My God, my Savior, Jesus. Tu peux le faire. You may be doing it. C'est possible ce soir. It is possible this evening. Jésus peut te guérir. Jesus can heal you. Quel est le nom de ta maladie? What is the name of your sickness? Quel est le nom de ton problème? What is the name of your problem? Quel est le nom de ta situation? What is the name of your Jésus situation? Christ a un nom. Jesus has a name. Qui est élevé au-dessus de tous les noms. That is on top of la Bible dit que au nom de Jésus. The Bible says in the name of Jesus. Fléchis. Every knee is dans les cieux. In the heaven. Sur la terre. In heaven. Et sous la terre. And under the toutes les langues. And every tongue. Doit confesser. Who confess? Jesus is Lord. À la gloire du Dieu le Père. Glory of God the Father. Évitez la voie de tout le monde. Avoid the way of everybody. Évitez la voie de tout le monde. Avoid the way of everyone. C'est alors que tu auras ton miracle. So that you see. C'est alors que tu vas accélérer dans ton ministère. C'est alors que tu auras de la main de Dieu ce que tu veux. You will get the hand of God the way you are. Remarque. Look. Il y avait un nom. There was a man. Qu'on appelait le centenier. He was called a centurion. Cet homme. This man voulait que Jésus puisse guérir. Wanted Jesus to heal l'un de ses ouvriers. One of his servants. Mais la Bible dit ceci. But the Bible says this. Jésus. Jesus voulait venir vers cet homme. Wanted to go to this man. Pour guérir. To heal celui qui était malade dans sa maison. The one who was sick in his house. Mais la Bible dit que cet homme. But the Bible says this a compris. Understood. Une chose. One thing. Mais n'est-ce pas? Il est beau. Isn't it? Is it
people in school. Que Jésus soit invité dans ta maison. Jesus to come in your house. Que Jésus entre dans ta maison. Jesus to get into your house. Mais pas tout le monde dans cette époque le désirait. Isn't everybody wanted it? Ils voulaient que Jésus puisse entrer dans leur maison. They wanted Jesus to get into their house. Mais remarquez cet homme. But look this man. My God. Oh my God. Il dit ceci. He said this. Dis seulement un mot. Say one word. Il dit seulement un mot. Say only a word. Dis seulement un mot. Say a word. Il ne voulait pas prendre. He did not want le chemin de tout le monde. The way of everybody. Tu veux prendre le chemin de tout le monde. You want to take the way of everyone. Tu ne verras pas ton miracle. You will not see your miracle. Tu veux prendre le chemin de tout le monde. You want to see the way of everyone. Tu ne verras pas la main de Dieu. You see, you want to see the hand of God. Satan a dit à Jésus. But this man said to Jesus. Dis seulement un mot. Say a word. Mon serviteur sera sauvé. My servant will be healed. Il sera guéri. You will be healed. Il croyait. He believed. À la parole. On the word. Oh. Jésus était un enseignant. Jesus was a teacher. Mais ce jour-là. But Jésus a été enseigné par cet homme. Cet homme a enseigné à Jésus. This man told l'exercice de l'autorité. The way of il a dit à Jésus. He said to Jesus, moi j'ai sous mes ordres. I have under my order. Des hommes et des femmes. The men and women. J'ai des subalternes. I have the subalternes. De moi. Oh, no, j'ai aussi les gens qui me commandent. I have also the people. Si tu fais seulement. But if you dis un mot. Say what? Mon serviteur sera sauvé. J'ai dit un mot dans ta vie. I said to my people. Que ta maladie soit guérie. Let your healing be. Que tu sois guéri dans ta maladie. Receive your healing. Que tu accélères dans ta vie. Accelerate your life. Que tu montes dans ta vie. Go higher. Que la gloire de Dieu s'exprime dans ta vie. Que tu aies ce mariage. Receive que Dieu te touche là où tu es. God to touch you. Oh my God. The name of Jesus. Ça me rendait. My God. L'île de Zakel est guérie. The word is so joyful. Cet homme a dit dis seulement. This man says say it. Ça me rendait. God. Qui peut écouter la voix de Dieu ce soir? Qui peut dire écouter la voix de Dieu ce soir? Look and say, listen to the qui peut dire ce soir? Look and say, dis seulement mon Seigneur. Say only a word. Ma situation sera changée. My situation will dis change. Seulement mon ce soir. Say a word. Ma guérison sera possible. Really will be possible. C'est possible avec Jésus. It is possible with Jesus. Je te dis que c'est possible avec Jésus. I say it's possible with Jesus. Je te dis que c'est possible avec Jésus. It's possible with Jesus. Rien d'impossible à Dieu. There's nothing impossible to God. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. There's nothing impossible to God. Rien d'impossible à Dieu. Nothing is impossible to God. Il peut te guérir. He can heal you. Amen. Alléluia. 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 Il ouvrit les toitures. They opened the ceilings. En ouvrant les toitures. By opening. Ils ont fait descendre cet homme. They was putting down this man. Quelle foi. What a faith. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. That's why I always say, que si ta foi te dit oui, if your faith says Dieu ne te dira jamais non. God will never say no. Personne et ces gens ne voulaient pas prendre non comme réponse. No one will take no as a response. Même si les idoles de la famille de cet homme criaient, even though the idolatries of your family are shouting, que tu ne peux pas voir Jésus. You cannot see Jesus. Mais cet homme avait décidé. This man decided. Je verrai Dieu dans ma vie. I will see Jesus in my life. Je verrai Jésus dans ma vie. I will see Jesus in my life. Les jours de son miracle. He planned the day of his miracle. Ils ont programmé les jours de leur miracle. They reprogrammed the day of their miracle. Ce soir, this evening, tu peux programmer you may, les you jours de ton miracle. The day of your miracle. Alléluia. Alléluia. Tu peux programmer. You can plan. Dieu t'a donné le pouvoir. God has given you the de power programmer to plan les jours de ton élévation. The day of your miracle. Dieu t'a donné le pouvoir. God has given de programmer you power les jours de ta guérison. Plan the day of tu peux prendre une décision ce soir you can take a en disant que je ne sortirai pas de ce lieu sans être touché par Dieu ouais, sans que ma situation puisse changer. Voilà, tu vas dire que si ta foi te dit oui, je ne te dirai jamais hein? God will never non. Say no. My God. My God. Yeah? Hey. 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 Si tu dis oui. If you say yes. Je ne te dirai jamais. Hein? God will never say no. C'est impossible. It's impossible. C'est impossible. Je me rappelle un jour. God remind me one day. Mon fils saignait. My son. Was bleeding. Saignait ici. My son was bleeding. And la première fois, il s'est cogné ici et il était blessé. First of all, he had a cut in here, but he was bleeding. Alors on descendait avec lui, il pleurait. Was coming down and he was crying. Mais tu peux voir la couche blanche. Beloved, et le sang coulé. See the blood coming out. Je suis allé dans la cuisine. I went in the kitchen pour chercher l'esparadrap. To get the
l'ai pas trouvé. I did not see it. En entrant vers l'enfant. By getting to the to dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit. In my spirit, the Holy Spirit said. Mais tu as en toi l'espoir. You have the spirit in you. My God. Oh my God. Je saisis mon fils. Hold on to my son. Je suis entré dans le blé. I went by crying. Et je dis Jésus. I said Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Stop. Stop. I left my hand. Le sang a stoppé. The blood stopped. C'est possible. It is possible. L'enfant est monté. The son came out. Sa mère a vu la cicatrice. His mom saw the scar. Et la femme s'est exclamée en disant. She was amazed. L'enfant était blessé. No, he had a mais car. Je lui ai répliqué. Oui, j'ai arrêté le sang. I said, oh, I stopped it. Quelques mois passés. Plus tard, le même fils. The same son. Saignait ici. Il s'est cogné. C'était un trou. There was a space there. J'étais avec ma avec leur maman. On était assis. I was sitting with their mother. On regardait la télé. Looking at the TV. Et lorsque l'enfant est descendu en pleurant, once the son come by crying, la femme a paniqué. The woman, my wife. Vous savez qu'est-ce que je me suis dit à moi-même? You know what I said to myself? J'ai dit, la première opération que j'ai fait, tu n'étais pas là. The first operation that I've done, you was not there. Mais maintenant tu le verras face à face comme ça. Now you see it. Right, j'ai tenu l'enfant. Yes. Je n'ai rien dit. I did not say anything. J'ai dit stop. I said stop. J'ai enlevé ma main. I took off my hand. Le sang s'est stoppé. And the blood stopped. C'est possible. It is possible. Si ta foi te dit oui. If your faith says je ne dira jamais non. God will never say no. Le Saint-Esprit n'a jamais été limité. The Holy Spirit is not limited. Le Saint-Esprit n'a pas de niveau. The Holy Spirit does not have il est capable de tout faire dans la vie de l'homme. Able to do anything in life. Croit à son nom. N'est-ce pas la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bible say, if you believe, you see the glory of God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Is there somebody who believes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit sa destinée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit sa personne ce soir? Il y a quelqu'un qui croit ton miracle ce soir? Recevez le nom de Jésus. My God. Vous savez. You know. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dans l'armée de Saul. In the army of Saul. David n'était pas recruté. David was not recruited. No. No. Pourquoi il n'était pas recruté? Why wasn't he not recruited? Parce que David n'avait pas l'âge de militaire. Because David did not have the age of parce qu'il n'a pas répondu aux critères d'un bon soldat. He did not respond to the criteria of mais laisse-moi te dire que dans l'armée de Saul, on a recruté Eliab. But let me tell you, in the army of Saul, when they could have recruited. Et le frère de David. And the prophet of mais David lui-même n'était pas recruté. But David himself was not recruited. Cependant, David était dans l'armée de Dieu. But once David was in the army of God. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Tu ne peux pas être dans l'armée de Saul. You cannot get into the army of Saul. Mais tu peux te retrouver dans l'armée de Dieu. But you can see yourself in the la army of God. La chose importante pour accélérer, il faut être dans l'armée something de Dieu. Important to accelerate, you have to get into the tu army. Tu n'as pas besoin d'être choisi par les hommes. You don't need to be chosen by men. Mais tu as besoin d'être choisi par Dieu. But you need to be chosen by God. Tu n'as pas besoin d'être appelé par les hommes. You don't need to be called by men. Mais tu as besoin d'être appelé par Dieu. But you need to be called by God. Je ne peux pas me retrouver dans votre guérie. I cannot see myself in mais je suis dans la guérie de Dieu. In your life, things are working.
Shekeye mama. Liba kaba emo sondorobo. Yeah? 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 Hallelujah. 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 Do you want to be recruited? Dikana yo. Leave it. If men recruit you, they will si te recruit, personne ne va t'abandonner. No one will abandon you. Talent de Konayo. Look at your name. Le bon armée va tout d'assurer sicaté. The army of men are to take space. Alléluia. Alléluia. L'armée va tout d'assurer en place. The army of men do not have the space. La femme va tout d'assurer. But let me tell you, les gens qui accélèrent, the person you accelerate, ne dérange pas. Does not pass. Ceux qui vont avoir continué là avant yo. If they go into marriage before, est-ce que la même chose tombe encore? Not to anyone. La vie ne te dérange pas. I said, do not bother yourself. Ceux qui sont entrés à la maternité avant toi. If they go into maternity, ne te dérange pas. Do not bother yourself. S'ils ont bâti une église avant toi. If they have built a church before you, pas. Do not bother s'ils yourself. Accéléré avant toi. If they have accelerated before. They're waiting for you. My God. My God. They'll be waiting for you. For you to take back your prayer. They'll be waiting for you. My God, my God, oh my God, my God. For you to take the first son. They'll be waiting. What did you say about cancer? You then come so the Papa Lelo. This evening, that cancer is a recipient. Cancer in this place is waiting there and waiting for the Papa Lelo. To be healed. I am telling you. He was waiting for such a long time. Even before I was, for me to hear it. Receive from God. Let it happen. Yes. Hey! Hey!
papier avant eux. You will have the paper before them. Parce que tu vas vivre l'onction de l'accélération. Because you live the anointing of acceleration in life. David came. Il a trouvé Goliath. He saw Goliath. C'est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Insulting the army of the Lord. Il a voulu prendre le chemin de tout le monde. He wanted to take the way of everyone. David a dit non. But David said no. Moi, je ne prends pas le chemin de tout le monde. I don't take the way of everyone. Parce que je suis dans l'armée de Dieu. Because I am in the army. Dans l'armée de Dieu, on ne combat pas comme ça. In the army of the Lord. Let me tell you one thing. Or que Goliath. Oh, Goliath. On l'appelle Goliath de Gat. He's called Goliath of Gat. Ah. Oh. Goliath de Gat. Goliath of Gat. Or que Lord Joshua partageait le territoire en Israël. Oh, when Joshua was sharing the territories of Israel. Le territoire de Gat. The territory of Gat. A été donné au fils de Judas. Was given to the son of Judah. Zambé la gare. My God. Au fils de Judas. Oh, the son of Judah. Was it just chasing the people? He was taking part of the plan. God and fist the God. But once a man, a son of a God, stood up, stood up pour insulter l'armée de l'Éternel, to insult the army of the Lord. Cela demandait que un fils de God, Lord of Judah, a son of God, for don't you battle Goliath, to battle God. Alors les combats n'appartiennent pas à ça. So the battle was not for Saul. Il y a des gens qui disent tout malheur, c'est la honte. Let me tell you, your battle is not yours. Tout malheur, c'est la honte. I could not go to save because he was in the army of God. Est-ce que quelqu'un me comprend? Is somebody understanding? Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding? Est-ce que quelqu'un me comprend? Is someone understanding? Tu es précieux devant Dieu. You are precious before God. Tu es précieux devant Dieu. You are precious before God. Quand tu battras Goliath, when you battle Goliath, c'est alors qu'on demandera. That's when they will ask you. De qui tu es fils? Yes. Who is your father? Yes. Yes. Si David avait pris le chemin de tous les hommes, if David took the way of everybody, s'il avait pris le chemin conventionnel, if he has taken a communal way, en prenant les armes de Saul, army of Saul, on n'allait même pas demander qui tu es fils. They could not ask him who he is your father. Je t'ai dit dans le bureau de l'homme de Dieu ce soir. Standing in the office of man, après l'accélération du Judas, after the divine acceleration, les gens se demanderont, the people will ask him, qui tu es fils, who is your father. Ils se demanderont, they'll be asking, de où tu sors. Who is your father? Est-ce que quelqu'un croit la parole? Is someone believing the word? Est-ce que quelqu'un croit la parole? Is somebody believing the word? Du village, from village, au trône, to the front, de Bethlehem, from Bethlehem, à Jérusalem, to Jerusalem, de la forêt, from the forest, au trône de David, to the front of David. Parce qu'il n'a pas pris le chemin de tout le monde. Because he did not take the way of everybody. Si tu prends le chemin de Dieu ce soir, if you take the way of God, this le miracle sera à toi. Miracle will be yours. La guérison sera à toi. Healing will be yours. L'accélération sera à toi. Acceleration will be yours. La Bible me dit. The Bible says. En ouvrant les toitures. By opening the gate, les ouvriers ont dit c'est bon. They put down this man. Juste devant Jésus. Right in front of Jesus. My God. My Lord. Juste devant Jésus. Right in front of Jesus. On a descendu cet homme. They brought down this man. Jésus ayant vu leur foi. Jesus saw their faith. Est-ce que tu as la foi ce soir? Do you have faith this evening? D'être guéri. To be healed. La Bible dit Jésus ayant vu leur foi. The Bible said Jesus saw their faith. Il dit alors. He said to the man. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins have been forgiven. Oh. Oh. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins has been forgiven. Le fils de l'homme a le pouvoir. The son of man has the ce power. Ce soir, au travers de son serviteur, de dire ce soir, to say to you que tes péchés te sont pardonnés. Your sins has been forgiven. Alléluia. 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 Il a vu la foi. They saw their faith. La foi d'être guéri. The faith of being healed. Et lorsque Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Once Jesus said your sins has been forgiven. La Bible dit les cris des idoles de leur famille s'est entendu. The Bible says the cry of the idolatry of the family was heard. Les idoles locales. The idolatry heard. Les saïndriens, les docteurs de la loi, the Pharisees were there. Ils se sont exclamés. There was
He cannot forgive sin. He cannot be healed. He cannot go forward. He cannot be successful. I'm telling you, you'll be healed. I'm telling you, you'll get your marriage. You'll get your family. You'll get your work. Yeah. In the name of Jesus. Yeah. Yeah. Lorsque le temple de Zorobabel était construit, when the temple of Zorobabel was constructed, la Bible dit que le roi s'est résolu. The Bible said the king resulted. He said, God, you've given me this kingdom. You have given me victory. But he wants me to rebuild the house of the Lord. The king was giving orders to the people of Israel to rebuild the temple. The Bible said the people said, they said, well, it's time to be constructed. The temple of Jerusalem that was destroyed. La construction. By starting the construction, la Bible dit ceci. The Bible says this. Le peuple de ce pays s'est élevé. The people of this country stood up. Ils ont commencé à menacer le peuple de Dieu. They started troubling the people of God. Vous savez pourquoi? You know why? C'est parce qu'il y avait des choses qui étaient déjà écrites. Because there were things that was already there. Il y avait des choses qui étaient déjà déclarées. There were things that was already declared. Il y a des choses qui étaient déclarées dans ta vie. There's things that is already declared. Il y a des choses qui étaient déclarées dans ta famille. Already declared in your family. Il y a des limites qu'on a déjà placées. There are limits placed. Aucun membre de cette famille ne dépassera ces limites. No one in your family will be passing that limit. Il y a des choses qui étaient déjà dites. There are things that has been spoken. Que personne ne peut avoir des enfants dans cette famille. That no one can have children. Il y a des choses qui étaient déjà dites. There's things that have been spoken. Que personne ne se mariera dans cette famille. No one will get married. Il y a déjà des choses qui étaient déjà dites. There are things that has been spoken. Que personne ne va accélérer dans cette famille. No one will accelerate in their life. Et ces choses. But these things. Ces voix des idoles. They are in the crowd. Se tiennent en position. They are standing in a position. Pour veiller. To des choses qui ont été déjà dites. And see the things that has been spoken. Et si quelqu'un dans la famille. If someone in the family. Cherche de tenter. Seeking to tempt de passer la limite. To pass the limit. Cela déclenche les cris des idoles. That will the clash. The cry of the idols. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Il y a notre famille. There are our families. Prenons l'exemple. Take a temple. Tu veux reconstruire, le tombeau de ton père. You want to reconstruct the tombeau of your father. Tous les vieux de la famille se réveilleront. Everybody in the family will stand up. Dans cette famille, on ne reconstruit pas le tombeau. In this family, we do not reconstruct. Si tu veux construire le tombeau de ton père. If you want to do that. Tu dois commencer à construire le tombeau des arrières, des arrières, of the ancestors. Et cela sera écrit. That will be. Qui se réveillera dans votre famille. Who will stand in the family? Pour empêcher les gens de ne pas prospérer. To stop people to not go. That's why you feel. Il y a des fois quand tu vas. Sometimes when you arrive quelque part. You go somewhere. Il y a un cri qui se donne. There is a cry that shouts. Même les commerces, tout l'argent que tu as investi. Even though your business, the c'est money that you invested is gone. I was looking for this long time ago. Hallelujah. 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 Le cri s'est élevé. Pour combattre la construction du temple. Stood out to battle with the construction of the temple. Quel est ce cri? What are the shouts? Qui s'attend dans votre famille? You stand in your family. Que les femmes ne se marient point. The women does not get married. Les hommes ne peuvent pas s'avancer dans la vie. Men cannot succeed, go forth in their life. Il y a une sœur, ma sœur, dans ma notre famille, une de nos cousines, qui m'a dit un jour. There's a cousin in my family said to me this. Dans cette famille, les hommes ne réussissent pas. In this family, men does not go forth. Je lui ai dit, je lui ai regardé droit aux yeux. I said, I cried, I said, look at me in your eyes. Nous sommes des nounesses, nous réussirons. I said, we are the leaders, we go forth. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des cris des idoles. Those are the cry of idols. Qui se lèvent dans cette famille. That is standing in this pour family. Pour empêcher les percées des gens. To stop the going les forth. Les mouvements avant des gens. The going forth of people. Écoutez. But listen, à cause des cris des idoles, because of the cry of idols, qui se sont élevés dans les jours où on construisait le temple de Zorobabel, that was standing the day that it was building the
the temple of Zerubbabel. Cela a fait que le temple de Zerubbabel puisse prendre beaucoup des années afin d'être achevé. That's what happened for that temple to take so many years before it can be achieved. Mais remarquez ceci. But look this. Comme il y avait quelqu'un. Because there was somebody qui voulait accélérer dans la vie. He wanted to accelerate. Qui connaissait les stratégies. He knew the strategy. Les murs de Jérusalem. The wall of Jerusalem. Par contre. By any chance, sous la construction de Néhémie, under the construction of Nehemiah, qui vivait sous l'influence de la bénédiction de Dieu, he was living under the influence of blessings of God. Ça a pris que 52 jours. He only took 52 days. Ça veut dire accélération. Do you say acceleration? Le bas, je veux accélérer. Say, I want to accelerate this thing. Ça lui a pris seulement 52 jours. He only took 52 days pour construire le mur de Jérusalem. To construct the wall of Jerusalem. Bien, mais ça te prend beaucoup de années. Beloved, it has taken you so many pour accélérer dans le ministère. To accelerate in ministry. Ça te prend beaucoup de années. It has taken you so many pour years pour avoir ce mariage. To see your marriage. Ça te prend beaucoup de années. It has taken you so many pour years pour avoir la fécondité. To see to be a parent. Ça te prend beaucoup de années. It has taken you so many pour years pour vivre dans les pièces financières. To live in your à cause de la maladie. Because of this. Et les cris des idoles de ta famille. And the cry of idols of your family. Mais aujourd'hui dans le bureau de l'homme de Dieu. But today in the office of man of God. J'entends. I own. À tous les cris des idoles de ta famille. To every cry of idols of your family. Dieu peut tout faire. God can do. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Je sais que le feu du Saint-Esprit. I feel the fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. Je sais que le feu du Saint-Esprit. The fire of the Holy Spirit. Dans ta famille. In your family. Dans ton mariage. In your marriage. In your household, in your finance, in your ministry, in the name of Jesus. Je veux que tu accélères. God wants you to accelerate. Voilà pourquoi la Bible déclare. That's what the Bible says. Je connais les projets que j'ai formés pour. I know the plans that I have projets for you. De bonheur et non de malheur. The fortune for afin the plan de l'avenir et de l'espérance. So that you can that have the future and experience. Que tu prospères. That's what I want you to prosper. C'est ça le souhait de Dieu. That's the hope of God. Je veux que tu prospères. God wants you to prosper. Je veux que tu aies ses enfants. He wants you to have children. Ton ministère fleurir. He wants to see je your ministry grow. Je veux voir des choses accomplies dans ta vie. He wants great things to happen in your life. C'est ça le désir de Dieu. That is the desire. Ce soir, this evening, tu peux percer avec Dieu. You can break through with God. Vous savez le Dieu que nous servons. You know the God that we serve. C'est le Dieu du chiffre 3. He is the God of number 3. Voilà pourquoi on a mis les 31. That's why the book we put 31. The third prophetic. Is prophetic. À 30 ans, on 30, il est entré en ministère. He got into ministry. At 33 ans, in 33, il est mort à la croix. He was dead. 3 heures du temps, 3 o'clock. Il a souffert. He suffered à la croix. In the cross. Le troisième jour, by the third day, il a été ressuscité. He was resurrected from death. Je te dis ce soir, I am telling you this evening. Si ton problème est mort, if your problem is dead, il sera ressuscité ce soir. He'll be resurrected this evening. Je te dis ce soir, I'm telling you this evening. Si ta matrice est mort, if something is dead in your life, soir, I am telling you this evening, is the first thing. This sera ressuscité. Will be resurrected. Je dis à quelqu'un que sera ressuscité. Tell somebody, I'll je tell somebody que will be resurrected. Ressuscité. This story will be resurrected in the name of Jesus. Es-tu prêt? Are you ready? Es-tu prêt? Are you ready? Stand up now. You may stand up. J'ai ça l'onction de Dieu. I feel the anointing of God. Quelque chose va se passer. Something will be happening this evening. My God and my Lord. Mon Dieu, mon roi. Liba sondoro bosaya. Hallelujah. Shekeye mama maiba. Liba sondoro bosaya sheke. Yebo soto kaba sondoro. Mon Dieu, mon roi. My God, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. L'apôtre Paul a dit ceci. Apostle Paul said this. Il dit very soon. He said, à très bientôt. Very soon. Il dit à très bientôt. Very soon. Je dis pas demain. I il dit à très man. Bientôt. He said very soon. Satan sera écrasé. Satan will be crushed. Il dit à très bientôt. Very soon. Yes. Satan sera écrasé. Satan will be crushed.
maladie sera écrasée. This sickness will be crushed. À très bientôt. Very soon. Cette situation que tu as vécue pendant longtemps. The situation that you're holding for such sera a long time. Sera écrasée ce soir. Will be crushed this evening. Hey, papa. Do not fear. Il est ici. He is here. Il est ici, ce Dieu. He's here, this God. Que Dieu visite ta vie. God see your life. Et change ta vie. And change it. Ce soir. This evening. Satan. Satan sera écrasé. Will be crushed. Present yourself to God with a need. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Say what you want the Lord to do for you. Élève ton voix vers le ciel. Lift your voice. By the word you will be saved.
Come on.
lift both of your hands. Beloved, you came here to challenge their voice, their wealth. God is touching you as we are praying. The sickness is disappearing in here. God, to open your eyes. You see how angels are giving you gifts. Lift your hands properly. Shout like this. Spiritual spiritual conflict. Let's go.
yakufa seliba esa kokima na nzela yakufa Mon amour, comme il s'appelle,
Aucun démon ne va résister. La puissance était tellement forte dans ton corps. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Fais ça ma béquille là. Mais donc on la soupe à la béquille. Aujourd'hui c'est la fin. N'oublie jamais cette histoire dans ta vie. Never again this thing in your life. Oh,
Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. J'ordonne et je commande. I command and order. À toute maladie. In every sickness. D'être guéri maintenant. To be healed now. À toute situation. In every situation. D'être changé pour le meilleur. To change for better. À tout blocage. In every blockage. De libérer les chemins de leur percée. To set free for the breaking through. À tout démon de mari, esprit et femme esprit. In every demon of men and women. D'accepter la divorce maintenant et de libérer la vie. Accept divorce and set free your life. Je change vos rêves en bien. I change your dreams to better. Que la main de Dieu vous touche. The hand of God to touch. Que la prière que tu as fait ce soir soit scellée par la puissance du Saint-Esprit. Let the power that you've done, the prayer that you've done today to be celebrated. Que le miracle t'accompagne dans ta maison. The miracle to follow you in your house. Que la puissance de Dieu te visite maintenant. The power of God to visit you et now. Que la gloire de Dieu and the glory of t'accélère. God to accelerate. Au nom puissant du Seigneur Jésus Christ. In the name of the Lord Jesus. Le Seigneur soit béni. Amen. Pendant trois fois. Amen. 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 Thank you.
Ministère d'évangélisation et de délivrance, la foi défiante, organise l'accélération divine. Sous thème, étouffez les cris maléfiques des idoles de votre famille. Avec le révérend Flamme à Nounesh. Date, le 31 mars 2012, de 18h à 22h30. Adresse, Liberty Church Hall, Fort Beecher Road, Orsi, London NHOQX, Tampa Lane. Voici la saison, le temps, le moment d'accélérer. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Venez nombreux, Jésus-Christ est vivant, prêt dans les miracles. Louange et adoration. Groupe La Foi Défiante, Frère Odi Kabangu, Frère Dédé Ekofo, groupe GKM, Chorale Nzambe Malamu et d'autres surprises. Les diables cherchent à détruire la destinée des enfants de Dieu. Lui et ses agents ont imaginé plusieurs moyens pour détruire la destinée des enfants de Dieu. En utilisant, quand un bébé est né, il consulte son étoile, en lisant sa pomme et en utilisant la lumière et les sables pour découvrir sa destinée. Alors, ils manipuleront et avorteront la destinée. Ils manipuleront aussi la destinée des gens en manipulant leur plan 7 ans, en utilisant les charmes et des alliances, en jetant des choses dans la mer telles que fleuves ou rivières, ou en baignant des choses au travers des magiciens ou des sorciers, en utilisant la sorcellerie jusqu'à planter les arbres dans votre quartier, dans votre parcelle, afin de détruire votre avenir. Mais Jésus-Christ est venu pour étouffer les mauvais cris des idoles de votre famille, afin de vous accélérer dans votre destinée. Venez.